Eh bien, bonjour à Eh bien, tous! bonjour à tous, c'est Pfff, Willy Jamad. c'est Willy Jamad et bienvenue mes amis dans un nouvel épisode de Willy and Craft, de Willy and Co, pardon, en compagnie Je de vais te Pietro. tuer. Salut Pietro! La prochaine fois que tu dis ça, je tue. Bonsoir tout le monde. What? Et là, je t'apprends la pourrir mes intros, viens là, fumier. Poté, salaud, saligo, si je te chope, t'es une chauve-souris morte. Viens ici, fumier! Monte plus vite que toi! Hein, ou pas, ça dépend. Et non, en fait, ça sert à rien de monter plus. Donc voilà, mes amis, comme vous voyez, mon plancher est terminé. C'est un joli plancher, tout beau, tout propre, avec un magnifique squelette qui s'est mis à squatter. Ma maison. Donc, comme vous voyez, le plancher est éclairé, hein, suite justement à ce que vous voyez en dessous. Vous voyez qu'il y a plein de trucs en dessous, c'est totalement normal. Donc, voilà, voilou. Et donc, oui, justement, je. Il me cherche! Mais putain, mais. Mais c'est juste pas possible! Je vais te tuer! Moi d'abord! Je vais te tuer, moi je te le dis! Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait enfin? Merde, je suis quelqu'un. Non, mais si, je te vois plus en plus quand t'es dans la lumière. Je suis quelqu'un d'honnête, je suis quelqu'un de très calme. Donc, mes amis, aujourd'hui, je vais me faire des Secret Pleasure Plates. Alors, comment je vais me les faire? Très simple, notamment avec deux bois. Donc, deux bois non transformés, hein, je précise. Voilà, avec ça, il va me falloir des trucs du mode The Secret Room, à savoir ces camouflages past qui sont très très simples à faire. Voilà, franchement, c'est pas ce qu'il y a de plus dur. Et donc, avec de la chair putréfiée, oui oui, la chair putréfiée sert à ça. C'est génial comme idée, étant donné que la chair putréfiée, on a toujours en masse. Moi, je dis que c'est une idée de génie. Donc voilà, comment je fais? Je fais ça comme ça. Hop. Et ça... Fuck. Ceci était un fail. Et ça comme ça. Faux, c'est l'inverse. Fallait bien que je fasse une connerie de toute façon. Une grosse merde. Oh, t'inquiète. Ce que tu plais, ça suffit. Voilà. Une Secret Pleasure Plate, sachant qu'il va en falloir deux. Donc il va falloir que je m'en refasse une. Pietro, tu peux aller voir dans la table de craft de Tinker Construct si tu veux. Pour voir comment je fais. Si jamais ça t'intéresse. Ou même si jamais ça t'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Voilà, c'est ce qui me. De toute façon, Pietro, tout ce que je fais, ça m'intéresse pas, c'est pas compliqué. Voilà, hop, on va s'en faire deux. Donc voilà, en fait, Pietro, les Secret Pleasure Plates, tout simplement des plaques de pression, mais invisibles. Voilà, donc, on va reprendre de la nourriture. Ouais, Je me demande comment, d'ailleurs, c'est possible de faire des machins secrets avec de la chair putréfiée. Je sais pas, t'imagines avoir ça dans une table de craft devant toi. Ok, bon, avec du chat putréfié, faire un truc secret. Voyons voir. C'est totalement ridicule. Enfin bon, c'est ridicule, mais cela dit, nous, ça nous arrange bien. Enfin, moi, toujours, ça m'arrange bien. Parce que Pietro n'utilise pas beaucoup ça, alors que moi... De quoi? Bah, le mode... Le mode secret room. C'est normal, j'ai jamais entendu parler. Voilà. Donc vous voyez mes amis, deux Secret Pleasure Plates. Et donc quand je vais les mettre là-bas. Donc c'est pour ça que là en What fait. What the fuck? C'est pour ça que là j'ai mis des blocs entiers, parce qu'avec les couvercles, ça ne fonctionne pas. Donc voilà. Deux. Fuck. Ça vous voyez, c'est le. C'est l'inconvénient. Moi je me tire. Oh putain. Ça n'a pas le don de me gaver ce truc là. Je veux que ce soit juste ça. Alors oui, des fois, bien sûr, c'est chiant. Comme vous le voyez, là, c'est sur le point de me faire péter un câble. Je vais péter un câble. Hop, toi, tu dégages. Toi, tu dégages. Voilà. Comme ça, maintenant, t'as pas le choix. Tu me prends ceci. T'es pas content, c'est pareil. Voilà, donc. Hop. Pouf et pouf. Voilà. Ça ne se voit plus, c'est totalement invisible. Quand je mets mes jolies portes et que donc je mets le marbre qui s'y rattache, oh Pietro, mais t'abuses, t'es chiant. Voilà. C'est quoi cette source d'eau là, bordel? Rien Fumier. Fait. Non, bien sûr, t'as rien fait. Et ma soeur est balbeur, t'es pas au courant? Elle fait ce qu'elle veut, ta soeur. Donc vous voyez mes amis, ça pousse, hein. Ça pousse, ça pousse. Vous voyez que déjà de une,
On va arriver sur 2. Celle-ci n'est pas encore poussée, mais ça, ce n'est qu'un problème passager. Ça va bien finir par pousser, vous inquiétez pas. J'ai fait des expériences en laboratoire, je sais comment ça fonctionne, cette caméra. Donc, voilà. Donc là, vous voyez, hein, on est allé récupérer quelques moutons qui nous seront essentiels pour nous faire des élévateurs. Enfin bon, pour le moment, moi j'en ai pas besoin. Moi j'ai fini, mais j'ai mis un. Voilà, Pietro Finestien, moi j'en ai pas besoin, ce qui fait que, bon, clairement... T'en fous. Voilà, pour le moment, je m'en tape. Cela dit, je veux pas m'en taper tout le temps non plus. Hein. Ok, donc ça c'est bon. Alors, bon, du coup, ça va rester là. Je le garde sur moi, hein, ce truc-là, parce que c'est super important. Des fois que je vois des mobs rares, genre hamster ou comme ça, peut toujours être intéressant de se les capturer. Voilà, surtout que les hamsters, y a des trucs bien marrons à faire avec. Donc, voilà. Mon plancher est fait, ce qui est parfait. Alors maintenant, ce que je vais me faire, c'est que je vais me faire un étage. Sauf que l'étage, je ne sais pas du tout en quoi je vais me le faire. Ça, c'est un peu un problème. J'avais prévu de me le faire en marbre, parce que le deuxième étage, j'avais prévu de m'en faire un espèce de labo. Donc, vous voyez, avec des animaux séquestrés, des expériences génétiques et comme ça. Un truc de connard, quoi. Oui, on peut le voir comme ça. Cela dit, attendez, j'ai une... Ah si, c'est bon, ça fonctionne. Ben voilà, deuxième étage, je vais peut-être me le faire en ça, finalement. Ou alors en d'autres choses, je sais pas, j'ai pas encore les idées claires à ce sujet. Bah, ben, à ce sujet, non, j'ai pas tout vu. Alors attends, que je regarde vite fait. Ah oui, non, voilà. Je voulais avec ça. Je voulais obligatoirement me faire un labo avec ça, pour la bonne et simple raison. Que bah, je sais pas, ça fait plus labo, je trouve. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Mais bon, pour le labo, ce sera peut-être dans un prochain épisode. Pour le moment, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me faire l'intérieur. Parce que là, vous voyez l'extérieur en marbre et tout. Mais l'intérieur, j'ai pas l'intention de me le laisser en marbre. Je vais me le faire en bois. C'est pour ça qu'on a du bois à foison, c'est très très bien. Alors Pietro, je me prends tout le bois, hein. Tu m'en veux pas. M'en fous, j'en ai pris un petit peu avant de partir. Fumier. Moi qui espérais te faire chier, putain, j'ai donc plus. Voilà, donc, ça, c'est bon. Vous voyez que là, j'ai énormément de planches, à mon avis, je vais pas recouvrir les murs de ma maison trois fois de suite. Hop, ah, hop, voilà. Alors... Si jamais je regarde, qu'est-ce que j'ai comme transformation? Un truc un petit peu classe, j'aimerais bien. Ça ressemble trop au sol, alors j'ai pas envie. Limite, j'ai bien envie de me laisser les planches de chêne comme ça. Je sais pas, ça fait un peu un côté... À l'extérieur, ça fait un peu bunker. Enfin, bunker, non, pas spécialement, mais enfin bon. Voilà, ça fait un petit côté marbre que j'aime bien. Et à l'intérieur, ce serait pas mal d'avoir un petit côté... Avoir un petit côté bois, quoi. Enfin, moi, ce que j'en dis toujours. Donc voilà, en fait, clairement, ce que je vais faire, c'est hop, totalement tout recouvrir comme ça. Alors, je vais d'abord faire un côté, savoir si jamais c'est bien. Ah, j'espère. Si jamais c'est pas bien, je vais être obligé de tout abattre. Bon, ça va, ça devrait pas être trop compliqué. Quand même. Si je peux éviter de faire des conneries, j'apprécie autant. Ouais, par contre que le bois file à une vitesse extraordinairement élevée. Pas très grave, vous me direz. Ah, mon chapitre aussi long, qu'est-ce que tu racontes de beau? What the fuck? Quoi? Non, rien. D'accord. Ouais, un petit côté bois comme ça, moi ça me paraît plutôt pas mal. Hein. Alors mes amis, je le répète, hein, si jamais vous avez des idées de... Des idées de construction, des idées de déco, des conneries comme ça. N'hésitez pas à le dire en commentaire, je suis toujours ravi d'avoir vos conseils. Alors, sachant que là, actuellement, à l'heure où je tourne cet épisode, nous sommes le 16 décembre. Bah, le 16 décembre, parce que Pietro et moi, on a tourné pas mal d'épisodes d'avance. On en a 9 d'avance actuellement. Enfin, avec celui-là, ça fait 10. Donc voilà, il est possible que je ne réponde pas, enfin que je ne tienne pas compte, admettons je vais vous laisser un commentaire, 2 épisodes avant celui-ci, je pourrais pas en tenir compte dans cet épisode-là.
hein, faut être sérieux. Donc ne pensez pas que je ne lis pas les commentaires, je les lis, cela dit, si jamais on tourne des épisodes d'avant, je vous rappelle que c'est à cause de ma connexion merdique. Malheureusement, il faut qu'on prévoie, hein, parce que on sait jamais quand est-ce que ma connexion va me lâcher ou pas. Donc voilà, c'est un petit côté bois, comme ça, je trouve que ça fait pas mal. Hop, alors attendez, j'ai zappé un truc. Vous me passez l'expression, mais c'est la merde. Hop. Alors, allons voir ça. Il va me falloir quelque chose que j'avais fait pour un événement qui ne s'est finalement pas produit, c'est un peu bête. Hein, mon cher Pietro, tu sais de quoi je parle? Non. C'est bien ce qui me semblait, et c'est totalement bien, d'ailleurs, que tu ne le saches pas. Hop, voili, voilou, alors. Alors bien sûr, ça prend un peu de temps à monter, hein, c'est normal, mais bon. Voilà, ce ne sont que les soucis de... Les soucis de construction, une fois que j'aurai tout construit, vous verrez, ça ira mieux. Ça ira beaucoup mieux, même. Père mal à l'œil, c'est un truc de fou. Ah, putain la vache. Hein? Mal à l'œil. Tu as mal à l'œil? Ouais, je suis en train de décéder sur place. Si t'évitais de zioter tout ce qui se passe, hein? Hein? Comme tout ça, oui, Pietro était en train de faire des... en train de faire des compliments à son chat. Oui, tu es gentil chat, toi, tu viens te frotter à moi juste parce que t'as faim. Et en fait, c'est vrai, hein. Les chats sont tous hypocrites comme ça. Hein. Ah, on a quelque chose à... On veut quelque chose, on va voir le maître. Hein. Mais alors, si jamais c'était juste pour être gentil, pff, que dalle. Oh, le maître, il pourrait crever sur place, on battrait les couilles d'une force. Hein, hein, Pietro? Pietro? Oui, je t'écoute. Bon, j'ai cru que tu te reconnaissais, hein, parce qu'il faut savoir que quand Pietro fait ton épisode, il vient se frotter à moi, parce que je vous rappelle qu'il vit dans ma cave. Il vient se frotter à moi, enfin, je sais qu'il faut qu'il tourne. Mais il vient aussi se frotter à moi quand il a faim, quand il a soif, voilà quoi. Mais il s'avère que, des fois, je lui demande juste de venir se frotter à moi, voilà, comme ça, quoi, juste pour être gentil. Et au final, monsieur Pietro ne veut Pardon, pas. Tu dis quoi, là? Rien. T'as vraiment pété un câble, hein. Je raconte des conneries, je suis navré. Ah, mais le mec, il pète vraiment un câble. Oh mon dieu, je d'accord là-dessus. Oui, je suis d'accord. Hop, voilà, comme ça. Comme vous le voyez, si jamais il me venait la folle envie, fais comme je suis planté. Oh merde, je suis zappé. Putain, c'est pas où. Voilà, hop. Et voilà. Comme ça, personne ne peut trouver l'entrée de mon labo ultra secret. Sauf en regardant mes vidéos, bien sûr. Ce qui ne serait pas sport de ta part, Pietro, je tiens à le dire. Donc voilà, à partir de dorénavant, je ne veux plus que tu regardes mes vidéos. Est-ce bien clair? C'est clair. Soit dit, ça va pas t'empêcher de la regarder. Ça fait. C'est bien ce que me semble. Je me broche mon merde des fois à raconter des trucs qui au final ne sont pas. Enfin, je sais très bien que ce ne sera jamais réalisé parce que Pietro est un. Est un. Non. Pietro est un. Sinon. J'ai utilisé un terme un peu moins gentil, mais oui, un dissident, ça marche aussi. Mais non, tu sais que je t'aime, mon petit pétroupouille. Tu viendrais te frotter à toi quand j'aurai envie d'un sucre. Faut que j'arrête avec ça. Oh putain. Alors, vraiment, faut que j'arrête avec ça. C'est juste pas possible d'être aussi con. Je dois en avoir. Faut vraiment que tu te fasses soigner, mon pauvre. Oui, aussi. C'est une façon de voir les choses. Je garantis pas. Est-ce qu'on peut mettre des lampes sur ce putain de bordel de ta mère? Pardon? D'où est-ce que tu parles de ma maman? Je parlais sans toi, t'inquiète. C'est pas, ouais. C'est pas sur toi que je parlais. Bien sûr, ouais. L'autre, il s'amuse à insulter ma maman et il croit que je vais le laisser faire, quoi. Fais gaffe, hein. Et il a raison. Oui, t'as peut-être raison, mais c'est pas une raison, hein. Alors, mes amis, peut-être que le toit... Et moi, qui ça, moi? Mais non, c'est pas. Peut-être que le toit de la maison... Tu dis le toit, donc c'est le toit avec T majuscule, donc forcément, c'est moi. Non, je parle sérieusement. Peut-être que le toit de la maison, je le ferai en escalier, enfin, pas un truc utilisant les carpenter blocks, parce que, comme vous pouvez le voir, alors déjà, le plancher sur la minimap,
Il est inexistant, il n'existe pas. Parce que je ne sais pas pourquoi la minimap ne prend pas en compte ce genre de truc. Ce qui fait que bah, clairement, on a l'impression qu'il y a juste, qu'il y a juste de l'herbe en dessous. Ce qui est vrai, hein, il y a juste de l'herbe en dessous, mais enfin bon, c'est pour une raison. Hop, là, comme vous voyez, si jamais je m'amuse à zoomer, vous voyez que là, les carpenter blocks que j'ai mis là, ils ne sont pas là non plus. Donc je ne sais pas du tout si... Qu'est-ce que... Oui, d'accord. Je ne sais pas du tout si jamais je vais faire mon toit en carpenter block. Peut-être que je ferai un toit lisse. Ou alors un truc en escalier. Mais je pense pas que je ferai un truc avec les carpenter blocks. Voilà, c'était la petite anecdote du jour. Donc voilà, alors cette Bonjour. Entrée, l'entrée par contre. Quoi? Du jour. Bon, bonjour, non? Oh là là. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter. Pour le mériter lui dans mes séries? Non. Non. Non! Je suis tellement triste que je vais me boire un coup. Veuillez m'excuser 3 secondes, j'ai soif. Le mec, comment il change? Tu passes vraiment du coq à l'âne. Hein. Ça te fait mal au cul. C'est faux. Je ne passe pas du coq à l'âne. Je ne passe pas du tout du coq à l'âne. Je passe de l'évolution sur Terre. Bonjour, ça me dit de sortir avec moi, c'est à peu près ça. Ce serait plus dans la vérité des choses, en fait. Hein? Et voilà, les dangers de la drogue. C'est bien toi de parler de la danger de la drogue, putain. Si jamais je révélais aux viewers ce que tu prends... C'est... Même les viewers seraient estomaqués. Tu m'entends? Estomaqués. Du coup, qu'est-ce qu'il y a comme liquide intéressant? Est-ce qu'il y aurait un liquide phosphorescent? Vous voyez, il parle de liquide... Je parle de liquide à s'injecter dans les veines qui est phosphorescent. Vous voyez les dangers de la drogue, hein, c'est... là c'est pas moi, c'est Pietro qui est. Bon, ça te dirait pas toi des fois de me remettre des blocs? Merde à la fin. Là, par contre j'ai utilisé masse de bois. Il y a vraiment ultra masse de bois quoi, c'est assez impressionnant. L'ultra masse quoi, c'est de l'ultra masse quoi. Wesh, c'est de l'ultra masse. C'est de l'ultra masse massif. C'est ce que j'ai dit, ne veut rien dire, veuillez m'excuser. On peut pas déverser du machin, du liquide XP, ça m'énerve. Comment ça? Bah tu peux pas le sortir du seau quoi. Et pourquoi tu voudrais le sortir du seau? Pour faire une mare de liquide XP. Une mare de liquide XP. Ouais d'accord. Tu, par contre tu peux faire une mare de... De comment dire... De mob essence. Ça tu peux, je le sais. Tu le sais? Oui, je le sais. D'accord, laisse tomber. Ah mon dieu, c'était horrible. On sent bien le psychopathe qui est prêt à agir. Donc, voyez-vous. Prêt, ouais, oui. Oui. Molten Gold. Prêt à agir, quoi. Hop. Donc voilà. J'espère que je vais avoir assez de carpenter block, même si j'ai quelques doutes sur le sujet. On va dire que je vais avoir assez. Non, mais va bien te faire foutre. Mais vas-y là, mais qu'est-ce que tu me parles comme ça, toi? Mais je vais t'exploser ta grande gueule, fumier. Va te calmer. Mais je suis calme. Eh mais j'arrive pas à cliquer sur cette putain de bordel de ta mère, quoi. Mais tu vas laisser ma mère en paix, mais c'est pour vrai ça. Franchement, quoi. C'est top. Bon, je fais du molten ice bucket. Bah du molten, il faut te pencher sur le mode Tinker Construct, mon cher. Qu'est-ce que je te repose la question, qu'est-ce qu'il y a comme liquide pourrait bien faire? Tu tapes bucket et tu le sauras. Non mais à ton avis. À mon avis, qu'est-ce qu'il pourrait bien faire? Alors attends, je regarde, bouge pas. Le cryotherium, c'est ce que c'est pas mal ça. Alors en bucket donc il y a donc XP bucket ça ne peut pas se faire. Je verrais bien l'Energize Glowstone. C'est la Glowstone inversée là. Ouais mais c'est pour que ça coule. Bah pour que ça coule tu peux très bien faire couler ça au plafond là. Bah non. Bah pourquoi? Pas envie. Oh bah tu l'as pas envie alors. Sinon, tu pourrais utiliser le saut, tu sais, de l'île volante, là.
oui, pas faux. Est-ce que ça fera spawner des... Y a des chances. Ça, par contre, c'est bon. Si jamais c'est clair en permanence, ça ne devrait pas. Enfin, normalement, toujours. Vais essayer, je vais essayer. Bonne technique. Bon, une fois que tu peux servir à quelque chose. Quel fumier, ce mec. Je lui donne une astuce, une bonne astuce en plus. Hein. Il me dit lui-même que c'est bien. Et puis, il me sort, ah, pas faux. Pour une fois qu'il donne un truc de bien. Merci, Pietro. Je ne sais même pas ce que je fous dans cette série. Mais... Moi non plus. Ah, mais en fait, c'est ça. Je viens de comprendre. Ce n'est pas la série de Willy Gemon, c'est la série de Pietro. Il a décidé de me remplacer. Donc voilà. Ici, on a monde intérieur. Donc ici, avec, bien entendu, les... Oh non. Oh non, Pietro, non, t'es dégueulasse. Donc, l'intérieur de ma... Mais ça va, Pietro. L'intérieur de ma maison. Et donc, là, on a, vous voyez... Ça suffit, arrête! C'est même pas drôle. Enfin, si, un peu, mais c'est pour le drôle. Et donc, vous voyez, ici, on a le petit passage absolument invisible. 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 Voili, voilou, donc ça c'est bon. Putain, ça y est, je vais rester bloqué sur mon intérieur maintenant. Je te félicite pas, Pietro. Là, franchement, je te félicite pas du tout. Mon Dieu. De la merde, pourquoi ça veut pas se 1, casser ce 4, 5, bordel-là? 6, 7, 8. Non, Pietro, je parle de mon intérieur, ensuite je parle de merde. Les viewers ont envie de vomir, je crois. Tu es un être immonde, est-ce que tu le sais, ça? Hein? Non, non. Ne parle pas de lait en prime, je t'en supplie. C'est trop pour moi. Je peux pas accepter. Voilà. Alors, mes amis, vous demandez sans doute pourquoi je fais ça. Parce que par la suite, c'est là que viendront mes coffres. Enfin, du moins une petite quantité de mes coffres. J'agrandirai certainement ça par la suite. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je le fais pas maintenant. Clairement, ce serait assez utile même. Voilà. Oui, même ça, je peux l'enlever. Donc, voili, voilou. Ouais, je vais enlever tout ça. C'était censé être quoi, ça? Du bord. Oh putain, vachement balèze, littéralement. C'est la bêtise qui ressort, il y en a beaucoup trop. Ah ouais. Non, pourquoi t'éternues pas plus souvent, alors? Bah, parce que la bêtise, j'arriverai à l'emmagasiner d'habitude, mais là... Ouah, t'arrives à emmagasiner la connerie, t'es sérieux, là? Ah ouais. Mais comment diable est-ce possible d'emmagasiner autant de conneries? Ah ça, je me suis toujours demandé. Ouais, c'est un miracle de la nature en fait. Un miracle de la nature. Voilà. Donc voilà ici. Donc vous avez mon futur système de coffres. Je vais d'ailleurs aller me faire des coffres en diamant de ce pas. Donc je vais utiliser tous les coffres en argent dont on ne se sert pas actuellement. Parce que là c'est bon Pietro, là je pense qu'on a assez de coffres. Hein. Ça c'est un Ah. coffre en fer. Argent en argent. Il n'y a rien là-dessus. Et... Ah oui, c'est celui-là que tu t'en sers. Mets un panneau parce que j'ai manqué de le détruire. Hein. J'ai manqué de le casser. En créa? De quoi? En créa? Non, je suis pas en créa, pourquoi? Voilà, alors tu regardes avant de faire. Non mais... D'accord, mais enfin, tous les trucs qui ne sont pas notés... Bref, passons. Alors, Parle trop. Oui, oh, ça va. Ça va. S'il te plaît. Donc... Ça, c'est bon. Donc, le bois La retourne salope. ici. Ça, je me tais. Oui, va laver ton cul malpropre, c'est bon, on a compris. Donc, ce secret room, ça va là. Ok, donc j'ai les coffres en fer, les coffres en argent. Là, ça va être la révélation pour moi, je crois. Ah ouais? À ce Ouais. point-là? Est-ce que on pourrait mettre des lampes sur des barrières de Carpenter? Oui, enfin, il n'y a aucune raison que ça ne puisse pas se faire. Est-ce que ça rend bien? Normalement on a du verre. Putain, on a que ça en verre, t'es Mais sérieux, mais... on peut pas, on peut pas. Mais t'as tout utilisé à ma parole, c'est quoi ce délire? Ah non. Putain, j'ai eu peur. Pas mettre des lampes de projection d'illumination sur des Carpenter Blocks, c'est incompatible. Si, tu peux normalement. Si jamais tu fais shift. Ah oui, non, je veux dire, tu veux poser le Carpenter Block et mettre la lampe. Ou alors la mettre dessus. Je vais la mettre pour que ça fasse la... ça prenne la texture. Ah oui, non, ça malheureusement, oui, il y a des chances que ce soit incompatible. Hop, donc ça c'est bon. De l'argent, voilà, j'aime l'argent.
L'argent des abonnés. Je reprends une musique de Bob. M'en voulez pas. Ok, hop. Au passage, il va me falloir du diamant. Le diamant. Voilà. Je pense qu'avec ça, je devrais avoir assez. Ok, alors. Toi, tu dégages. Toi, tu vas là, toi, tu vas là, toi, tu vas là. Toi, tu me donnes ça. T'es gentil, tu fais pas chier. Ok, pof, pof, pof. Le diams et les coffres. Les coffres, les coffres. Alors, coffre en fer. Toc, 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 toc. Toc, toc, et toc. Ok. J'ai un coffre en argent en plus. Ce qui est parfait. Ah Alors merde! ensuite, pour faire quoi? Tu as utilisé le téléporteur sans le vouloir. Oh. Donc ensuite, pour faire le coffre en argent, c'est très simple. Le coffre en diamant, pardon, c'est très simple. Coffre en Ce argent, mec m'ignore! vert au-dessus, diamant en Oh la dessous. vache, Non, comment tu non, m'as je. snapé? Non, je t'ignore pas. Enfin, pas totalement. Ah Voilà. ouais, Donc là, vous ça va. voyez, j'ai un début de coffre en diamant. Alors, je peux m'en faire beaucoup plus. D'ailleurs, c'est ce que je vais me faire. Pietro, je me fais masse de coffres. Hein. Si jamais t'en as besoin, tu viens pas me les piquer, t'es gentil. Tu te démerdes à t'en faire. Un truc de merde. Hein? Non, j'aurais dû. Quel fumier ce mec, non mais je rêve. Une Hop. pitié. Coffre à l'infini, ça c'est fait, il me faut du fer, beaucoup de fer. Est-ce qu'il nous reste du fer? Oh, si peu. Si peu, on a que 23 blocs. C'est n'importe quoi. Ok, donc, voilà, tout le fer vient ici. Ok, toi tu dégages. Alors, est-ce que c'est comme ça, je crois? Ouais. Ouais. Oh la vache. Nickel, nickel, nickel. Ok, donc ça c'est bon. Ensuite, on met ça comme ça. Là, du coup, par contre, je veux pas avoir assez d'argent, je crois. Je veux pas avoir assez d'argent. C'est la merde. C'est la merde, c'est la merde. Coffre en fer, d'accord. Ouais, il me faut de l'argent encore parce que j'en ai plus. Voilà, heureusement qu'on a envoyé les minions miner en offre quand même, hein. Ça, c'est clair que de ce côté-là. J'ai eu une riche idée. Mais je dis bien j'ai eu, parce que Pietro. Voilà, Oui, les Pietro. idées, ça fait 4 000. Oui, non, je repose jusque-là quand même. T'as eu des bonnes idées, autrefois. Quand tu étais intelligent. Comment je suis méchant. Comment J'ai je. existé étant intelligent, non? J'ai jamais été intelligent, qu'est-ce que tu racontes? Coffre. Ben alors, mets-toi. Voilà. T'as jamais été intelligent, hein, mais ça explique bien les choses. Hop, enfin, t'es pas intelligent, mais t'es. Excuse-moi, je voulais pas dire ça, je suis navré. Non, Non, mais il n'y a t'es. pas de problème. Hein. Non, sincèrement, c'est méchant de dire ça, je ne devrais pas. Je ne devrais pas, je ne devrais pas, même si je le Je ne devrais ferais. pas dire la vérité aux abonnés. Comment il s'humilie lui-même, en fait. C'est juste n'importe quoi. Allez, vas-y, ouvre-toi, toi. Pietro, j'ai un problème. Ça quitte. On va pas avoir assez de fer. T'y crois, ça? Demande au Ok. minion de creuser. Quoi? Demande au minion de creuser. Creuser pourquoi creuser? Pas moi. Ah ouais, un petit peu. L'ignorance d'un homme, mais l'ignorance d'un homme. Voilà, bon, on a déjà. L'ignorance est la meilleure des vertus. Ouais, ça c'est vite dit. On a déjà 11 coffres en diamant. Ce qui est un bienfait pour toute l'humanité. Hop, toi tu viens là. Alors, on va s'amuser à ranger tout ça. Hein, en vidéo, oui, tout à fait, parce que je n'ai aucun respect. Toi tu vas là, toi tu vas là. Ok. Alors. Vitre vers ça. Eh non, non, ouais. Bon, ça va, pour ce qu'il reste en vide, tu parles. Pour aller bien loin avec ça. Mais par contre, ces cochons, ça commence à me rendre totalement cinglé. Donc voilà. Hop, je vais commencer à aller poser mes coffres. Et donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est très simple. Quand je vais mettre le truc au milieu, ça va prendre simplement les quatre coffres adjacents. Voilà. Et j'en utilise des mots savants. Et l'adjacent. Ouais, c'est l'adjacence la plus totale. Hop, voilà. Et donc au fur et à mesure comme ça, je vais remonter en haut et ça va me faire un énorme espace de stockage. Mais vraiment immense, parce que c'est The Infinite Space, c'est terrible. Est-ce
qu'il y a un moyen de... Non. Ok. Non, je sais pas de quoi. De... Ma question. De te dire ta gueule, de, je ne sais plus quoi. Tu viens de le faire, je crois. Hein? Ah oui, de rendre un endroit plus obscur qu'il ne l'est. Comment c'est plus obscur? Sorte de filtre à lumière, je ne sais trop pourquoi. Comment ça? Attends, j'arrive. J'arrive, j'arrive. Puis à côté des coffres. Oui, d'accord, ok. J'étais juste à Des côté des questions coffres. ouvertes. Comment ça, une pièce plus obscure qu'elle ne l'est? Bah, je sais pas, un truc que tu mets dans une pièce et ça la rend plus sombre. Non, enfin, pas à ma connaissance, toujours. Bah, de toute façon, tu peux pas aller plus loin, tu peux pas aller plus sombre que zéro, quoi. Ce que je veux dire, c'est que j'ai des lampes partout et je veux pas que ça fasse. Enfin, je sais pas. Après, Est-ce qu'il tu y a peux. des blocs vraiment tout noirs? Oui, je sais qu'il y en a, mais. Enfin, il y en a. Peut-être pas ici. En plus, lol! Mais le gars, il fout mes deux élévateurs par plateforme, quoi. Bah oui, il faut que ce soit symétrique. Oui, ça descend bien tout en bas. Et qu'est-ce que t'as l'intention de mettre en bas, en fait? Rien, je sais pas trop. D'accord. Ah oui, en fait, tu t'es fait une. Ah, d'accord. Ah, c'est sympatoche, ça. Faut avouer, ça a du style. Deux. Bah, ce que t'as fait, là, avec les. Avec les futuristiques armor plating block. Je trouve ça très joli. Est-ce que ça marche? Ça rend bien. C'est T'avais sympatoche. une riche idée. Oh bon, je te le dis. Rend vachement bien ton idée. J'aime Oui, bien. pour une fois que j'ai une idée, tu sais quoi. Donc, bah voilà, mes amis, c'est sur ces belles images que cet épisode se termine. J'espère qu'il vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Willy & Co. Alors, il est possible que dans le prochain épisode, j'ai fait tous les coffres en diamant. Bah, de façon à pas passer mon temps à faire les coffres en vidéo. Donc voilà, mais enfin, j'espère tout de même que cet épisode vous aura plu. Si jamais vous avez des commentaires, hein, je vous le rappelle, n'hésitez pas. Donc, bah, jusqu'ici, portez-vous bien et à la prochaine pour un nouvel épisode. À plus. Ouah, wow, mais comment t'es enthousiaste! Quoi? Je sais pas, À plus. Mais voilà, c'est ça en fait! Dis à plus tout le monde! Enfin, je sais pas, un truc bien quoi, je sais pas! Non, ça te. Non? Bon, tant pis. Bon, bah voilà mes amis, à plus tout le Oh monde! le mec, mais t'es encore en vidéo. T'es un connard. Bah oui, je suis en vidéo, tu le sais très T'es un bien! connard, tu m'as même pas dit. Et pourquoi je te l'aurais dit, hein? Il y a un tas de trucs que tu ignores sur moi. Je ne sais pas tout, si tu savais. Si tu savais, mais tu ne sais pas. Bon, enfin bref, voilà mes amis, moi je vous dis donc à très vite. Plus tout le monde. Voilà, tu vois, là c'était enthousiaste.